jour 4 à Disney. On s'en va à Magic Kingdom. Ça va être magique. Le Yeti vient manger. Puis des fois, il défait les rails. Est-ce que t'es allé non? Où est-ce que les rails étaient cassés? Oui. Là, on voit un nombre d'abominables. C'était comme ça. C'était comme dans le Coupe du Monde. T'es pas allé, toi, là, hein? La Coupe du Monde, tu l'as jamais fait. Est-ce que ça tu sais comment c'est appelé la Coupe du Monde? Non, un peu comme ça. Première entrée à Magic Kingdom. Ça, c'est le château de Cendrillon. Et là, on va entrer dedans. Ça, c'est la ligne fantastique. On va rentrer dans la grotte bientôt. La grotte, c'est à l'air climatisé. J'ai pas de problème du tout. Il y a même des jouets. Et là, ça fait 1h30 déjà qu'on attend. Je pense qu'il reste au moins un autre 45 minutes. Plus tard dans les maritimes. Ça fait 2h50 qu'on attend ici, mais on a décidé de le faire quand même parce qu'on attend d'avoir une fast-pass qui va donner à ma belle-mère qui a attendu pendant tout ce temps-là une passe pour y aller elle aussi. Sinon, on aurait tout perdu. Je dois avouer que les enfants ont commencé à se tapocher dessus, ça fait très longtemps. On a fait deux sorties aux toilettes, défaire la file, refaire la file. Ça, c'est toujours agréable. Pourquoi tu dis toilette? Toilette! Non! Attendu exactement 3 heures! Oui, 3 heures pour un manège, c'est quand même pas pire. Je suis sûr que ça va être très bien. C'est mieux, beaucoup mieux, pas de chapeau. On est dans le dernier stretch, là. Dernier. Je pense qu'il reste 5 minutes. Marc avait dit ça, ça fait 1h30, mais ça va bien. Oh my, I love it! T'as aimé ça, Laurent? Ah oh ouais, j'ai aimé ça, ouais. C'était chouette, c'était pas trop haut, hein, épeurant, il y avait les droits, une petite montée. Toi, Michel, t'as aimé ça? Vraiment beaucoup! As-tu ramassé la passe pour pas qu'on l'ait perdue? C'est toi qui l'as. Ok, arrive! On l'a eu. Et voilà! Aujourd'hui, on était venu à la table de Belle. C'est vraiment spécial, t'arrives, tu payes une machine, tu commandes sur l'écran, puis après tu vas t'asseoir, puis ils t'amènent ton lunch, peu importe où tu es. Le soir, je pense que c'est Signature Service, puis c'est encore plus fancy. C'était bien là. C'était Big Thunder Mountain Railroad. Bon, là je l'ai faite là, puis je suis très content. C'était bien. On était bien.
on est dans la sphère de Dumbo. En fait, c'est une salle d'attente. T'envoies tes enfants, puis là, ils nous donnent un buzzer. Puis quand on va être prêt, ça va buzzer. Puis on va être capable de retourner attendre dans la file, imagine. Pendant ce temps-là, les parents, eux autres, ils travaillent. Ça buzz! Ça veut dire que c'est notre tour! Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Go, 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 on y va! Fait que Michelle est vraiment forte parce qu'elle là, est capable de partir de 9h le matin puis se rendre jusqu'à minuit le soir puisque avec tous les enfants, toute la gang. Là il est 8h30. On est en face d'espèce de choses de belle, là. Le grand-père est mort. Le grand-père est mort. Il exagère. 8h10, mais on est quand même soulevé à 6h30. On passe à 7h30. On arrive au parc à 9h. Grand-papa, lui, est en pleine forme encore. Non, il est mort. Bon, fait que... Quand t'as retourné, il se met à pleuvoir, mais ça c'est bien correct. C'est pas un problème, ils vont arriver tout détrempés, ils vont être gelés, mais c'est pas grave. Ils peuvent passer, faire un manège de plus, c'est extraordinaire. Now remember, Belle doesn't know you're here. Prenez-le. Venez avec votre soeur. Prenez-le et dis merci. Bye bye. On a égaré ma belle-mère, on a égaré Paul. Il y a des masses de gens ici, j'espère qu'on n'a pas perdu personne. On est séparés, ça fait déjà 5 minutes. Elle est là? Michel! Ok, je pense qu'ils sont à la sortie, on y va. Contente d'avoir attrapé les pédants. Ben oui, c'est impressionnant. Là, il est 10h moins comme Michel a encore des questions à poser. C'est pas facile, là. C'était pas fini. I have two questions.